Un jour de décembre 2016, le 30 si ma mémoire est bonne, je reçus un coup de fil de Félix. Bonjour Serge. Oui. Bonjour Félix. J'espère que ça va. J'ai essayé de te joindre en vain dans la semaine. Oui, ça va. Je n'étais pas à Kinshasa. Au fait, est-ce qu'on t'a appelé de ma part? Non, pas du tout. Je suis en train de monter une équipe de travail et j'ai pensé à toi. Quelqu'un va t'appeler pour cela. Ok. Marcelin est ici. Non, il est en Belgique pour quelques jours. Que fait-il là-bas? Les choses bougent au pays. Dis-lui que la politique a horreur du vide. Félix, c'est une mission pour le Congo. J'ai écrit ce livre parce qu'en discutant avec des camarades, en particulier un Marcelin, on s'était rendu compte que les gens, les Congolais en tout cas, ne connaissaient pas suffisamment Félix et on avait une certaine idée, un certain aperçu. Alors on s'est décidé de donner notre propre témoignage.